Bonjour, bienvenue sur ma chaîne dans l'atelier de Nanit. Alors, première chose, je vous remercie beaucoup pour tous vos compliments sur ma chaîne. Je sais que vous êtes maintenant 10 abonnés et j'en connais 3 notamment et je les remercie beaucoup. Je leur fais un petit coucou à Christou, Marise et Anita et à vous toutes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeûne que je viens de finir. Je me suis inspirée de Leslie. Alors, Leslie est une youtubeuse très talentueuse qui vient des États-Unis, qui habite en Alabama. Et sa chaîne s'appelle 507 Willow House. Et elle présente des junks absolument fabuleux que j'adore. Donc, je me suis inspirée d'un des siens et je vais vous le présenter. Donc, j'ai utilisé plusieurs numériques, notamment celui de Anne, Oduchina Scrap. Ici, vous voyez ici la jolie dame, là, c'était un mannequin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, j'ai mis un petit peu de dentelle. Et voilà comment ça se présente. Donc, c'est un petit format, on dirait un petit carnet, hein, qui est bien, bien dodu. J'aime beaucoup. Donc, je l'ouvre. Alors, j'ai fait quelques petits tas comme ça où on peut écrire des petites choses. J'ai mis de la dentelle. Donc, mes initiales, comme j'aime faire. Un petit peu de washi tape. Alors, j'ai mis quelques écritures, comme vous le voyez. Des petites pochettes. Alors, j'adore les jolies dames. Souvent, je vais sur Pinterest et je les enregistre et je les imprime. Donc là, de quoi noter, hein, si vous voulez marquer des petites choses. Voilà, il y a de quoi noter. Ah, je me suis beaucoup amusée à faire ce junk. Alors ici, j'ai fait un petit peu d'embossage. Alors ici, il y a un petit carnet avec une petite feuille où j'ai écrit un petit poème de Boris Vian. Je vais vous le lire. Je voudrais que tu sois là, que tu frappes à la porte et tu me dirais c'est moi. Devine ce que j'apporte et tu m'apporterais toi. Boris Vian, je trouve ça trop joli. Alors du coup, je l'ai noté là. J'ai mis quelques vieilles factures. Ici, c'est une petite pochette. Alors j'ai utilisé des numériques que j'ai achetés sur Etsy. Et dans ce junk, j'ai mis des numériques. Vous voyez, une petite pochette de Ida Jane Design. Alors, je mettrai le lien dans la description. Là, ça doit être My Porch Print, je crois. Donc oui, je vous disais Ida Jane Design et Pixie Dust File. J'adore ces créatrices, elles font vraiment de très très jolies choses. Ici, c'est une petite facture. Hop, plié en deux et glissé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Des fois, j'oublie un petit peu ce que j'ai fait. Ah ben, c'est accroché. Regardez, il suffit que j'enlève ça, hop, puis j'ai une petite pochette là pour mettre un petit secret si on a envie. Voilà. J'achète beaucoup de PDF sur Etsy, c'est très pratique, j'aime beaucoup. Ça coûte pas si cher que ça, hein. C'est assez raisonnable, hein, entre 2 et 9 euros. Donc vous commandez votre PDF. Vous le téléchargez et après, ben, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc ça, c'est le milieu de la première signature avec un petit timbre. Voilà. Un petit plumetis express que j'aime bien mettre. De quoi noter. Et puis toujours de jolies choses. Oh, ben, ça m'a l'air à l'envers. Bon, ben, écoutez, on va le remettre à l'endroit. Hop là. Voilà.
Alors, ça, c'est une petite facture aussi. Alors, de très, très jolis numériques de ces créatrices. Une jolie dame trouvée sur Pinterest qui cache un petit carnet. On peut écrire aussi. Voilà. Petite pochette. Ici aussi, on peut écrire. Ah, ça, c'est le premier. La première signature. Donc il suffit de refermer et hop, on part sur la deuxième. Ma petite empreinte. Ici, j'ai photocopié une carte postale. Sur ma feuille, j'ai mis un bout de tissu. J'ai mis en avant la photocopie et puis voilà. Ça s'est photocopié sur mon bout de tissu, je trouve ça très joli. Petite pochette ici. Alors, je voulais vous remercier beaucoup pour votre enthousiasme quand je vous ai annoncé que j'allais créer ma chaîne. Vous m'avez envoyé des mots vraiment très, très, très sympathiques et très gentils. Ici, une petite pochette. Toujours avec de quoi écrire dans des vieux cahiers. Je trouve ça c'est très joli. Ça doit être les anciennes photocopies en fait. Voilà. Petite pochette ici. J'adore. Ici, pareil, une petite pochette, une petite enveloppe avec à l'intérieur une autre petite pochette. J'aime bien faire des petites cachettes un petit peu partout. Hop là, voilà le milieu de ma deuxième signature. Alors, ça vient de chez Shabby Art Boutique de Kyrian. Vous voyez, hein, comme l'autre chunk, j'ai mis de la dentelle un petit peu partout. Une petite image de Pinterest et de connoté. Là aussi, un petit carnet. J'aime bien faire des petits carnets, un petit peu comme des petites cachettes. Une image trouvée sur Pinterest, j'aime beaucoup, beaucoup cette jeune femme. Elle est vraiment charmante. Voilà, une dernière petite cachette, avec de quoi écrire. Donc, et voilà. La dernière page. Et voilà. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit junk. Donc, comme je vous le disais, inspiré par Leslie. Alors, je le range en mettant un petit ruban. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve pour la prochaine fois avec un autre petit chunk. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne soirée. Au revoir.